Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Me désinscrire. Aujourd'hui, on va voir comment se désabonner de eDreams Prime. La fin d'année nous apporte son lot de surprises et pour ma part, ça a été cet abonnement eDreams Prime que j'ai dû souscrire sans faire trop exprès. Nous allons donc voir comment se désabonner de cette offre et porter réclamation si besoin. Rendez-vous sur eDreams.fr. Je vous mets le lien en description. Puis, vous allez aller sur mon compte et vous connecter. Ici, on vous demande les informations de connexion. Et bien sûr, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez demander un mail ou on vous renverra un nouveau mot de passe. Une fois connecté dans mon compte, vous allez vous rendre dans mon compte Prime. Une fois ici, la manipulation est simple puisque il suffit d'annuler son abonnement Prime. Et vous voyez, mon compte Prime est donc annulé et s'expirera juste avant le renouvellement automatique de celui-ci. A noter que si vous voulez porter réclamation, vous pouvez joindre le service client à partir du numéro de téléphone suivant ou de l'adresse mail serviceclientprime-fr@contact.idream.com. C'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas pour nous soutenir de liker, commenter et vous abonner. À très bientôt!